www.maurice-info.mu. Après des années, et peut-être I know something about it for having been involved in business facilitation since a long time, le point c'est que le single licensing agency or office qui tombe sous le EDB lui prend un rôle extraordinairement crucial à jouer, parce que ce qu'il peut faire c'est que à part ban permis d'impôt export qui peut take care pour single window un projet qui est déjà en cours, tout ban les autres permis qui visent pour investissement pour le business peut tomber sous ça. C'est très très important, pas pour l'étranger, hein. C'est pas uniquement pour les investisseurs étrangers, c'est pour les entrepreneurs mauriciens. C'est ça aussi qui nous a imaginé. Combien de temps nous dépenser pour qu'on porte tout bien permis. Ça, c'est un game changer. Et le plus important dedans, c'est que Living greffe sous le e-licensing projet qui l'Union européenne. Il avance pas mal de fonds qui peut financer au niveau de la BUI. Donc, le cas où on a une plateforme informatique, super, mais si nous pas de sens, la façon qu'il est opéré dans un ministère, un département, il n'y a pas même ben, le résultat escompté. C'est pour ça que nous, il est très important. Pas au niveau d'une annonce, mais au niveau des enquêtes sur l'implémentation, pour aller pour aller au travail, dans sa logique. Deuxième chose, nous causons un peu, donc pour moi, business facilitation, les business viennent à un mot caduc, aussi longtemps qu'ils sont capables, n'est plus business capable de nous dire, dis-nous d'aller partout, mais information maintenant, comment circuler. Comment les business circulent? Un autre point qui est très important, nous cause beaucoup de régulateurs. Il y a une fois où tu donnes une interview, même ça, qui nous besoin d'avoir un régulateur indépendant, nous besoin d'avoir la transparence et nous besoin d'avoir la compétence. Et pourquoi aujourd'hui, les événements qui autour de nous démontraient l'importance d'un rôle de régulateur, que ce soit au niveau de la Banque centrale, que ce soit au niveau de la Banque de FSC, que ce soit au niveau de ICTA, que ce soit au niveau de IBA, que ce soit surtout au niveau de l'énergie. Là, nous bien content que le gouvernement annonce des affaires. Instant merger en IBA et ICTA, pour le cas d'un single body dans sa secteur-là. Et deuxièmement, je vais opérationnaliser le Utility Regulatory Authority qui peut deal avec le secteur énergétique qui est très important pour le pays. Un autre point que j'ai envie de soulever, c'est que. Monsieur le Président, bonjour. Le dernier point que j'ai envie de soulever, c'est le Data Protection Act. Peut-être que dans mon annexe, il y a un paragraphe. Mais il y a un paragraphe très très important dans le dispositif qui lui était aujourd'hui à Maurice. Maurice, 70% ses services. Le deal avec tourisme, because tourism exports, c'est l'export des services, ICT BPO, services financiers. Tout ça, un service qui nous fait là, il est basé dans deux lignes. L'Union européenne, depuis l'année dernière, il passe à la loi qui prend en vigueur en mai 2018. D'après ça, la loi-là, n'importe qui dit mon, qui est dans la ben, donnée qui appartient à un ben, sujet, un ben, 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 citoyen de l'Union européenne, nous automatiquement tombe sous sa loi. La loi-là affecte nous. Non seulement il affecte les gens qui peut être des ben, données dans l'Union européenne même, mais il impose une obligation additionnelle le, ben, les autres pays tiers qui peuvent deal avec ben, l'information concernant ce ben, par exemple, moi, il y a une database. Que vous tenez l'adresse, ça va dire là, votre client potentiel, vous avez un nom, vous avez un email adresse, il y a déjà une donnée qui vous est. Ça veut dire qu'il tombe sous sa loi. Vous pouvez très bien donner au niveau de BPO à Maurice, qui est outsourced depuis l'Europe, peut venir ici. Donc, vous tombe sous sa loi. Le tourisme est dans votre database, au niveau de l'import, de l'export, mais dans votre consigning information, tout ça là tombe. Et si le Data Protection Office n'est pas EU adéquate comme autorité, non capable de ban donner de ban un sujet européen à partir de 2018. Aujourd'hui, nous me faire lire et dans une convention, mais tu vois, une convention là, vous disparaît. Et tout du monde, bizarre comme là, mais la petite compagnie, grande compagnie, il n'est pas une question de pays en voie de développement ou un pays développé. C'est la loi qui est vraiment appliquée et très importante. Et nous, bien content que le gouvernement il dit que je peux envie de force track. Sa législation. Et pour terminer nos législations, il y a aussi, moi je connais, le Intellectual Property Bill, parce que dans le
dans le discours, in cause de l'innovation box qui peut-être le président et qui chante aux arbres, mais la relance est passée. Alors nous attendons, nous, avec impatience, le Data Protection Bill qui vous amène ça, il y a des coups là, et en même temps, au niveau de Industrial Property Legislation, qui est aussi de la du Conseil des Finances depuis l'année dernière, en décembre, pour qu'elle permette nous à saluer par là. Pour parler de là, pourquoi on va prendre ce qui s'est imposé, c'est juste pour dire en termes de business enhancement measures, pour nous, c'est dans l'implémentation rapide et l'implémentation pour travailler ensemble avec l'institution. Et d'ailleurs, on me disait tout à l'heure, ce matin même, tiens, le directeur général de la BOI, qui est là, pour guider un peu ensemble, qui va attendre, qui va guider, et comment nous sommes capables, en tout cas, de travailler ensemble pour le capable réaliser le plus vite possible et de façon most effective. Certaines mesures que nous pensons, c'est un quick wins qui nous permet de monter dans le long terme. Voilà, on passe la parole maintenant au président, parce que le président est sur le sujet de welcome. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? Très fort. Et notamment, on trouve un peu c'est un budget qui est basé sur le passé, mais qui est préparé pour l'avenir. Pour moi, dans cette façon-là, c'est un budget quand même assez un budget d'une rupture. Comment nous dire le passé? Enfin, nous prenons un petit aparté. Le premier miracle économique mauricien, une basé, l'eau, on connaît un développement de fabrication. On quitte l'économie agrarienne, agricole, et nous nous rendons en plein main dans une économie de fabrication. Comment ça arrivait? C'était bon, plusieurs facteurs. L'ordre économique international s'y profite. Nous avons accès à l'Europe, nous avons accès à l'Amérique, particulièrement grand compétiteur, l'Inde qui permet, qui est un pays socialiste, la Chine qui est un pays communiste. L'Afrique, bon, j'y viens loin, et beaucoup de pays, parce qu'ils vraiment développent le textile comme une source d'exploitation. Maurice, tu as la main de qualifier pour manger, relativement pour l'homme, et tu as l'accès au marché. Mais pourquoi une demande critique, tu as là-dedans, c'est que le gouvernement ici, tu prends une demande de décision courageuse. Premièrement, et peut-être le plus important, c'était le EPZ Act de 1971 qui nous donne un fiscal advantage très très important. Et en même temps, il met certaines structures très bien appréhendées. Surtout cet EPZ Act de 71 là, il donne un incentive énorme à surtout un grand business hongkongais à l'époque, qui est encore un plus grand, dans le textile. Cinq grands, plus grands fabricants de textiles au monde, ils viennent mettre les usines à Maurice. Il y a Fresia, il y a Esquel, il y a Angola, Sinotex, Novel Textiles, qui mettent casse par meilleur la Maurice et mettent les usines à Maurice.
nous, dans les fabricants entrepreneurs mauriciens, ils apprennent aux autres, ils suivent aux autres, et ils suivent, et ils viennent développer le textile mauricien, ils ont même pour une manière internationale. Alors pour moi, cet aspect-là, je ne peux pas oublier que je suis bizarre dans le monde des vidéos, où elles montrent le groupe textile, amènent le client textile, et nous, nous apprenons aux autres, et nous-mêmes, dans certains cas, viennent aussi bons qu'ils eux. Pour nous, là, c'était quand on est arrivé. On est arrivé à une deuxième phase, l'économie, pour le toucher. On arrive à l'époque, dans 1975, tu as 400 dollars par tête, par GDP par capita. Maintenant, on arrive à 10 000. Une évolution remarquable dans l'époque qui s'est lancée. Écoute, nous bien aller, comment on parle plus. C'est bien sûr, mon conseil, c'est un peu similaire. Nous vous invite. Nous, si vous voulez investir à Mauritius, c'est de garantir l'économie mauricienne. La situation économique internationale est bien différente. Il y a beaucoup plus de compétiteurs, il y a beaucoup plus de pays qui vivent dans l'export bancaire, dans le développement. Et pour nous, peut-être nous avons l'avantage. Vous savez, l'avantage, c'est qu'il y a environ 500 milliards de dollars qui sont posés entre l'Afrique et l'Asie chaque année. C'est un chiffre énorme. Et nous, plein d'années. Qu'est-ce qu'on va faire pour prendre tout là-dedans pour faire une grande différence pour le pays? Et on sait Pierre et Pierre, il va l'entrepreneur mauricien qui travaille pour là, mais aussi bien le gouvernement qui facilite beaucoup d'affaires. Investissement dans le pot, investissement dans l'impôt, et surtout dans ce budget-là, un budget de ouverture. Mais critiquement aussi, il y a certaines structures. À l'époque, il y a un média typé à l'Aldéo pour qu'il y ait des gens qui viennent investir dans Mauritius. Et maintenant, il est créé avec le IDB une structure professionnelle qui peut prospérer, ça, une critique dans l'exécution. Et la structure est là pour qu'elle compite de façon. Focus pour aller retirer du monde d'euros là, faire une investissement parce que, par exemple, nous avons une mesure incroyable maintenant dans l'innovation qui nous donne un incentive qui est aussi fort qu'ils vont penser que l'épisode là de 71. Nous avons un business, un nouveau business. Textile, il y avait un certain niveau. Maintenant, nous avons une nouvelle industrie. Nous avons une certaine direction bien claire, bien positive. Les pharmaceutiques, les médical devices, par exemple. Et en même temps aussi les services. Avec le blueprint qu'il a annoncé pour préparer le Global Set Offshore pour VIN, un International Financial Center, rather than, en guillemets, beaucoup de monde dirait 1000 euros, un tax haven. Il nous a préparé, nous, pour se mettre bien fort dans votre service financier, nous avons un player international, et pour ça, il nous a réglé de façon une nouvelle législation pour le Global Bank. Tout ça va être l'élément là en place. Et en même temps, il y a une investment dans l'infrastructure, pour moderniser l'infrastructure, aussi bien routier que dans l'infrastructure de base. Et vous pensez qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais les éléments sont là pour que maintenant tout le monde puisse travailler ensemble pour qu'il y ait des bonnes graves, pousse Maurice vers le monde. Si on a beaucoup de mon cher Michel, demande des détails plus spécifiques et plus concrets. Parce que aussi, un petit commentaire que j'ai envie d'ajouter, mon cher Michel, demande plus de détails là-dedans, c'est que ça révolue ça économique miracle, le premier là, qui est un miracle économique, pas juste pour un petit groupe de monde, c'était le miracle qui beaucoup de textes hier, un des miracles le plus démocratique dans le monde. Démocratique parce que le Gini coefficient, si un man meilleur dans le monde, que tout le monde qui travaille, pas juste grand, qui n'a pas de mauvais sens, qui n'a pas d'utilisation dans votre base, et tout le monde qui peut bénéficier. Donc j'espère que ça développement démocratique là, continue, et vous trouvez que le gouvernement, il met certaines infrastructures pour faire ça, que ça, qui Maurice continue sur le développement dans sa direction là, je trouve ça très positif parce que. Une trouvée pendant 25 ans, un développement démocratique, nous donne un pays stable, correct, très bien.
avoir cette courbe aussi, donc pour expliquer un peu l'analyse économique du menant concernant les mesures budgétaires. Comme je connais, à la MCCI, tous les ans, nous préparons un rapport concernant la prévision de croissance économique pour Maurice. Et l'année dernière, en septembre 2016, nous tient un rapport sur la performance économique et quand nous arrivons à une conclusion qui nous croissance à l'époque nous disions ça, nous croissance assez déséquilibrée quand nous tirons remarqué qui d'un côté nous l'offre en termes économiques, c'est que nous l'offre supérieure à nos demandes. Et en partant de ça, nous tibinis, nous disons qui nous recommande une approche en trois phases. Une première phase avec une mesure de relance économique à court terme, une mesure destinée pour booster la demande. Une deuxième phase avec une mesure pour rajuster l'offre, pour rendre l'offre plus compétitive, pour qu'il nous soit plus vendable à l'extérieur. Et troisièmement, de maintenir sa politique monétaire qui est à Maurice, qui a une politique assez expansive. Donc, s'agissant du dernier budget, nous avons remarqué que dans ce budget-là, il y a une série de mesures qui est là pour relancer la demande à court terme. Donc, et là, pour dire où, c'est une mesure sur la consommation, c'est une mesure sur l'investissement. Donc, nous avons d'une manière assez synthétique, quand nous regardons qui va de mesure là et qui sur l'impact à peu près, qui a comme l'impact de la croissance économique. Première, concernant la demande c'est la consommation et l'investissement. Pour relancer la demande, il y a des facteurs, soit nous relance la consommation, soit nous relance l'investissement, ou bien nous essayons de relancer les deux. Et dans ce budget-là, il y a une mesure pour les deux. Nous commençons par la consommation. Une première mesure qui nous trouvait, c'est une mesure pour élargir la base du nombre des consommateurs, qui est assez important. Livré qui dans l'annexe aussi dans le budget, parce que là, le budget, il y a une série de mesures, donc c'est normal qu'il nous pénalise nécessairement le tout dans le discours budgétaire lui-même. Mais il y a une petite mesure dans l'annexe qui est très importante. La première pour moi, c'est concernant l'extension du duty refund pour les Mauriciens. Nous avons une donnée au niveau de la Chambre qui les dépenses totales des Mauriciens à l'extérieur lient autour de 500 millions de dollars américains, qui fait nous à peu près 17 milliards de roupies. C'est-à-dire que les Mauriciens dépensent, les Mauriciens touristes, dépensent à peu près 17 milliards en total à l'extérieur. Donc, nous trouvons sa mesure pour ouvrir l'achat hors taxe à les Mauriciens en partance et aussi à la diaspora mauricienne, c'est-à-dire les Mauriciens qui résident à l'étranger, qui viennent en vacances à Maurice. Il y a une mesure très importante pour rehausser la consommation à Maurice. Parce que si dans ça, avec sa mesure, si à terme, nous réussissons à attirer de nouveau les Mauriciens pour qu'ils consomment localement un montant, on prend 4 milliards, ou ça 17 milliards là, sur l'impact, c'est environ 0,5 point de croissance supplémentaire. Ça, c'est la première chose. Deuxième mesure qui est énorme, qui pour nous est intéressante concernant l'élargissement de la base du consommateur, c'est l'ouverture qui nous peut essayer envers nos retraités étrangers sur le territoire mauricien. Vous savez, Maurice, c'est un pays le plus attirant au monde. Il y a vraiment une marché touristique, quand nous attirons beaucoup de touristes. Mais les touristes sont généralement c'est actifs. Donc, ils peuvent venir en vacances pendant 10 jours, 15 jours. Et là, l'autre concept qui est développé dans beaucoup de pays touristiques, c'est essayer d'attirer les retraités.
Donc, sa politique a existé au Maroc, Tunisie, et dans le Portugal. Beaucoup de pays là, c'est attirer en général les retraités européens pour qu'ils viennent passer quelques mois leur territoire. Qui fait? Parce que le retraité, lui, il est bien en dette. Il paye tous une pension assez élevée parce qu'ils ont fixé les normes, tout ça. Et là, ils consomment les produits locaux. Donc, d'un côté, nous recevons une devise. Et de l'autre côté, ces retraités se font consommer, et en général, c'est un individu qui compte pour consommer un produit local. Donc, l'Ivini, il y a un autre type de tourisme qui consomme tous les autres secteurs d'activité. Je parle d'un restaurant plus souvent, bien sûr, je pourrais vivre dans l'hôtel, mais c'est surtout je pour louer un appartement qui est disponible actuellement dans Maurice. Et c'est un écotourisme, c'est un tourisme culturel pour un effet concernant les activités dans Maurice, en particulier quand on cause l'art et la culture. Et dans ce budget-là, il y a une mesure qui peut attirer retraités qui peut toucher environ 2 500 $ américains. 2 500 dollars américains fait à peu près 100 000 roupies. Ben, nos estimations, c'est que si nous réussissons à attirer 10 000 de Saban retraités là à Maurice, juste pour vous signaler, et dans 1 million rien qu'en Europe, anglais en Europe, qui quitte l'Angleterre, retraités anglais, qui quitte l'Angleterre dans l'Europe, c'est 1 million. Ben, nous, si nous réussissons à 10 000, si je traite à Maurice sur une période de 6 mois à peu près, c'est 10 milliards d'injectés dans l'économie mauricienne. Donc, c'est une mesure qui paraît simple, mais c'est une petite mesure qui change la donne. Parce que nous, dans nos analyses, nous disons que nous avons une mesure pour rehausser la demande. Quand on peut faire une mesure économique comme ça, pour rehausser la consommation, tout le secteur privé peut bénéficier. C'est-à-dire qu'il y a la consommation. Et la consommation, c'est le secteur de la distribution pour gagnant, le secteur de la production pour gagnant, le secteur du transport pour gagnant, le secteur qu'on appelle touristique pour gagnant. Parce que tourisme, ce n'est pas simplement les hôtels, et donc tout le reste qui est autour. Donc ça, c'était la deuxième mesure qui nous trouvait très intéressante. Et puis, il y a tout ce qui concerne l'élargissement de la base. Il y a aussi une mesure qui nous trouve très intéressante concernant un voucher pour inciter un touriste à consommer un produit local, en particulier un produit artisanal. C'est un marché à un potentiel d'un milliard pour eux, parce que si je fais calcul, c'est un bon d'achat pour un minimum d'achat de 1000 roupies. Nous avons plus qu'un million de touristes. Si les marchés à plein, et qui la limite à 1000 roupies, c'est 1 milliard de roupies. C'est une mesure qui est utilisée dans de nombreux pays. Sud-Afrique, on trouve. Encore une fois, l'Australie. Donc, il y a beaucoup de pays qui utilisent ça pour maximiser l'effort qu'ils nous peuvent faire le ban tourisme. Nous dépensons suffisamment d'argent pour attirer 1 million de touristes dans Maurice. Le but, c'est quand même, quand ceux de Vini, c'est qu'ils nous incitent pour consommer local. Nous incitons pour aller vers la consommation. Ce n'est pas simplement rester à l'hôtel. C'est très bien de rester à l'hôtel pour les vacances, mais aussi et dans tous les autres secteurs d'activité qui, bien, profitent de ça. Maintenant, c'est 1 million de personnes en plus sur le territoire mauricien. Donc ça, c'est troisième petite mesure qui nous trouvait, il paraît petit, mais c'est une mesure qui a un impact assez conséquent dans le court et moyen terme. Maintenant, nous guettons bonne mesure, ça c'était bonne mesure pour élargir la base de la consommation. Maintenant, nous guettons bonne mesure qui est énorme dans le budget concernant les Mauriciens lui-même. Dans nos analyses, le FMI, qui pourtant est une bonne institution les plus rigoureuses au monde, avec l'année d'avant et l'année dernière, qui préconise que tout pays, au vu du contexte international, global, régional, etc., tout pays qui a une marge de manœuvre, utilise sa marge de manœuvre là pour faire une relance à court terme.
Je t'y préconise ça partout. C'est-à-dire qu'en moyenne, une marge de manœuvre budgétaire ou utilise-les pour faire une relance économique à court terme. Dans ce budget-là, il y a trois mesures qui, pour moi, c'est intéressant parce que c'est une mesure qui peut avoir un impact sur l'économie à court terme et aussi qui peut permettre élargir aussi nous l'offre par la suite. On commence par le fait qu'il la déduction fiscale concernant un employé de maison dans un ménage. Donc il y a une mesure de ce qu'on appelle une relance de l'économie par la fiscalité. C'est une baisse de la fiscalité individuelle pour relancer l'économie à Maurice. Donc peut donner une incitation à du monde qui paye taxes. Si je t'embauche quelqu'un, qui se garde une déduction fiscale jusqu'à 30 000 roupies par an. D'accord? Donc, nous avons à peu près 100 000 ménages qui payent taxes dans Maurice. Si ces 100 000 ménages-là embauchent, si 50 000 là-dedans embauchent, ça va un employé de maison là, il peut avoir un impact quand même très conséquent. Ça va un ménage là peut bénéficier donc de 30 000 roupies de déduction fiscale, qui veut dire c'est qui je peux avoir une hausse de ce pouvoir d'achat de 2500 roupies par mois. 2500 roupies par mois, c'est quand même assez conséquent. Ça fait 30 000 roupies fois 50 000, mais pas pour aller plus loin, il y en a un impact. La consommation et sur la relance économique. Ça, c'est premier. Deuxième mesure qui est très intéressante, c'est que jusqu'à présent, vous connaissez le système de taxation, mais tu disais ça l'année dernière, c'est que c'est un système de taxation qu'on appelle malthusien, qui pénalise les enfants. Donc, l'idée simple, c'est que quand vous tiennent du monde tout seul, ou quand vous déduisez beaucoup plus, qui est un dépendant, en particulier quand vous avez des enfants. Jusqu'à présent, quand vous avez quelqu'un qui est dans 4 dépendants, il est traité pareil comme quelqu'un qui est dans 3 dépendants. Ça veut dire que ça ménage, ça chef de ménage qui est dans. Nous pouvons dire qu'il s'accompagne un seul premier dépendant et qu'il a 3 enfants, nous ne pouvons pas donner une déduction fiscale pour ce troisième enfant. Et ça, c'est une politique assez injuste, surtout quand nous, taux de fécondité qui peut diminuer d'année en année, qui veut dire qu'il arrive à un certain moment, la population mauricienne peut diminuer. Le président ici dit. Cause de ça, lors de ce speech pour AGM, c'est que beaucoup de statistiques ont démontré qu'à partir de 2050, la population commence à diminuer dans Maurice et qu'il prenait un impact sévère au niveau de l'économie mauricienne. Donc, on trouve sa mesure là, la mesure qui je inclue maintenant une autre catégorie d'urban seuil d'exemption pour un ménage. Pour un individu qui a 4 dépendants, côté Liboukar, côté ajoute 45 000 roupies supplémentaires de déduction, je vous dis une mesure, un début. On va dire que je pensais qu'il faut besoin plus loin après, mais c'est un début pour prendre en compte une échelle d'équivalence, c'est un terme économique, nous avons utilisé dans une seule exemption, et aussi qui pour être. Là, nos politiques familiales, parce qu'il nous besoin de revoir nos politiques familiales pour qu'ils ménagent et n'ont plus envie pour gagner des enfants. Donc, 45 000 roupies, nos estimations qu'ils nous font, c'est à peu près plus de 500 roupies pour ça, un ménage, là, pas moins de pouvoir d'achat en plus. Donc, sa mesure-là, il y a une mesure. Qui pour une incitation, mais aussi qui pour incite qui a une augmentation du pouvoir d'achat. Et dans sa mesure, dans sa catégorie-là, et aussi l'approche différenciée qui n'est non maintenant, auparavant, tout simplement augmente toute catégorie pour 10 000. En fin de compte, là, c'est qui peut être dépendant, là, qui est plus gagnant.
Là maintenant, c'est qui je peux venir avec une approche différenciée, c'est-à-dire que augmente ben, le seuil d'exemption en fonction du nombre de dépendants. Quand vous trouvez 5 000 si vous êtes seul, 10 000 si vous êtes indépendant, et ainsi de suite. Donc, il vient avec une approche différenciée pour prendre en compte le nombre de dépendants et aussi pour c'est un début là. C'est, pour moi, c'est très intéressant parce que après des années que nous pouvons venir simplement sur 10 000 tous les ans, c'est qu'il nous peut s'écasser ça système là. Et comment mon cher Léon Baya peut dire, 10 ans, nous continuons l'état de 10 000, ben, chaque fois, si nous pouvons casser ce système-là, que nous pouvons venir avec un système différencié, que nous pouvons venir avec un système qui est un peu plus juste, parce qu'il peut prendre en compte l'aspect, le fait qu'un qui est indépendant, ben, ici, il mérite gagner une exemption, une déduction plus forte. Donc, ça, c'est une deuxième mesure. Et puis, non, pour moi, troisième mesure qui est très, très importante, ben, on trouve beaucoup de discussions là-dessus, c'est la mesure phare, c'est le negative income tax. Je donne beaucoup de causes, que c'est une mesure sociale, etc. Pas quoi là-dedans. Moi, je crois simplement dans le fait, des faits. L'analyse économique, nous besoin d'être un peu qui peut passer. La recherche économique évolue tous les jours maintenant. Tous les jours, on a mal d'affaires. On a mal grand auteur qui travaille dans un centre de recherche, qui sortit dans un travaux économique, qui prend en compte qu'est-ce qui se passe. Ne pas qu'à rester figé dans le passé, parce que l'économie, il y a une matière qui évolue. Il y a une matière dynamique. Encore une fois, il y a une institution, l'OCDE, qui est une institution très conservatrice, est aussi très rigoureux, il nous venait avec une recherche économique en 2014, qu'il avait continué en 2016, quand il démontrait l'impact, ben, l'inégalité salariale, l'eau la croissance économique. Il nous venait avec un rapport, quand il avait expliqué que les inégalités de revenus qui représentaient par coefficient de Gini, coefficient de Gini, c'est le seul coefficient qui vraiment, même avec beaucoup de défauts, il y a beaucoup de défauts dans ce coefficient-là, oui, mais c'est un coefficient de Gini, le coefficient de Gini facile à comprendre. C'est-à-dire qu'il mesure ben, l'inégalité de revenus entre entre salariés. Donc, ça rappelait, il expliquait de manière très simple que quand on a une hausse du coefficient de Gini, il a impacté négativement la croissance économique. Et il venait avec un chiffre. Il dit que quand le coefficient de Gini augmente par 0,03 points, parce qu'il y a une mesure qui est de 0 à 1, il dit que quand il augmente par 0,03 points, la croissance économique diminue par 0,3%. D'accord? Ça veut dire si le potentiel est 4%, si le coefficient de Gini peut augmenter, ben vous retrouvez avec une croissance effective de 3,7%. OK? Et nous l'analyse, nous, ça pourrait être, on peut faire une analyse au niveau local, nous pouvons trouver que nous, le coefficient de Gini, à Maurice, il n'augmentait pas 0,03 ici. Les outils de 0,38 et il arrive à 0,41. Ce qui veut dire que nous, distribution des revenus inégale. L'impact, si vous restez dans un terme très économique, s'il n'y a pas un impact lors de croissance économique, ben, si vous mettez au niveau de l'OCDE, l'OCDE réfléchit comme ça, il existe ben, un impact économique, tant qu'il n'y a pas de remords sur l'impact lors de l'économie, il n'y a pas de cause. Le moment qui se peut trouver, il peut impacter l'économie, je ne viens faire un décideur, mais je suis au courant, qui, le moment qui où Gini coefficient peut augmenter, vous besoin faire attention parce qu'il y a l'impact de la croissance économique. Le fait qui peut vivre avec un negative income tax, le negative income tax, encore une fois, n'est pas une mesure que sociale, il concerne l'employé.
Et c'est une mesure qui est proposée par le prix Nobel Friedman. Moi qui fais l'étude économique, je connais que Friedman dit tout sauf un marxiste ou un socialiste. C'est un des plus grands libéraux au monde. Il vient avec sa mesure-là parce que il dit que dans l'économie libérale, c'est la meilleure économie qui existait, mais l'économie libérale est normalement un défaut que l'État doit réajuster. Tu proposes sa mesure-là parce que c'est une mesure de ciblage pour essayer d'aider les plus faibles qui peuvent faire des efforts, qui peuvent travailler, mais qui en même temps ont un impact énorme sur l'économie. C'est ça sur l'argument économique. L'État, dans le budget, assez surpris et surpris de manière heureuse qu'il nous trouve sa mesure-là dedans. Nous faisons une estimation à partir de tout ça, une mesure sur la demande. Hein? Et une estimation, c'est qu'il y a à peu près 2 milliards qui peuvent injecter dans l'économie pour qu'il rehausse le taux de croissance à court terme. Toutes choses égales par ailleurs. Souvent, moi, c'est dit ça, c'est pourquoi moi, c'est dit ça, c'est que si on a une crise, si on a un élément externe, un choc externe, ça va une mesure-là qui va apporter à terme 1,5% de croissance supplémentaire. Donc, ça c'est concernant la demande. Maintenant, venons sur l'offre. Parce qu'il n'y a pas qu'à des 10 demandes, nous avons aussi nous l'offre. C'est ça qui peut permettre nous d'améliorer dans le futur nos croissances économiques. Nous l'offre, jusqu'à présent, connaît pareil, une économie n'est pas statique. Nous avons été qui peut passer à travers le monde et guetter comment nous pouvons faire y évoluer. Nous payons et l'ambition pour vivre une high income economy, mais surtout nous avons l'ambition pour vivre une innovation led economy. Okay? Donc pour qu'il nous vienne dans sa même catégorie là, nous devons commencer à réfléchir comment le pays qui dans sa catégorie. Nous avons un gros problème à Maurice, c'est qu'il y a un pays qui recherche et développement quasi inexistant. Nos dépenses en recherche et développement sont 0,18% du PIB, donc très très faible. Donc dans le budget, il y a une série de mesures, on commence par là, concernant l'innovation. Parce que ça va une mesure concernant recherche et développement et l'innovation, c'est une mesure qui peut améliorer la productivité par la suite. Et c'est ça l'élément primordial pour améliorer le potentiel de production. La productivité globale des facteurs demande une amélioration dans l'innovation, demande une mesure concernant recherche et développement et aussi le progrès technique. Ça va une mesure qui nous est là, c'est une mesure, par exemple, double deduction concernant une dépense en recherche. C'est énorme, ça pour incite l'entreprise pour y aller vers la recherche et développement. La recherche et développement, c'est une dépense à risque. Un entrepreneur, quand il y a dans sa bonne dépense-là, souvent dedans, 90% c'est à perte. Parce que c'est une recherche, ça. Il n'y a pas rapport immédiatement. Mais c'est une dépense qui peut venir de plus en plus importante. Au vu du niveau de nous l'économie. Nous l'économie, nous n'est plus à une small economy. Nous avons un revenu intermédiaire environ 10 000 dollars par habitant. Nous avons envie de dépasser les 13 et 14 et 15, nous avons envie jusqu'à 20. Ben, pour qu'ils nous cavent, aller dans cette catégorie-là, nous avons commencé et nous avons une incitation pour sur la recherche et développement. Ça, c'est une première mesure qui, pour moi, est assez importante. Et pour être souligné, parce que ça fait changer les points d'incitation pour qui toute l'entreprise, en particulier, nous disons, ma moyenne et grande entreprise, et aussi par la suite, ma petite qui a bénéficié pour créer ma cellule de recherche, ma division de recherche au sein de l'entreprise. Ça, c'est une première mesure concernant l'innovation et la recherche et développement. Une deuxième mesure qui. Deux mesures supplémentaires qui sont très très importantes,
c'est qui est non ban il vient avec une politique fiscale pour amener et pour inciter à la création d'entreprises innovantes. Qu'il y a une taxe holiday de 8 ans concernant le secteur pharmaceutique, ben, l'équipement médical et aussi high-tech products. Pour moi, high-tech products, c'est robotique, c'est tout ce qui est produit lié à l'économie de la mer. Il y a énormément de créer dedans, avec sa mesure-là, une ouverte, pour moi, une ouverte potentielle. C'est une mesure qui beaucoup pays mettaient avant. Nous, nous tirons un problème pour attirer le secteur manufacturier high-tech, pour moi, c'est une c'est high-tech, c'est qu'il y a une énorme incitation fiscale pour qu'il y ait. Parce que les autres pays finissent mais une taxe, corporate tax zéro. Pour qu'il y ait à Maurice, il est intéressé par le fait qu'il y en a beaucoup marché, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe, etc. Il est intéressant. Le fait qu'il y ait une ocean économie qui est remplie de matières premières qui peuvent utiliser dans sa même secteur d'activité là. Donc il est intéressant pour lui. Mais le fait qu'il y pas tiennant, le fait que Maurice Petit déjà il peine suffisamment concernant le internal market, et aussi le fait qu'il n'y pas de gain ça petit plus concernant la fiscalité pour qu'il y ait cité pour une Maurice. Là nous pouvons mettre le whole package pour faire attirer ce secteur d'activité là, dans Maurice. Ça, c'est la première chose. Deuxième qui est encore plus fort, c'est Innovation Box. Le Innovation Box, pour moi, c'est le game changer pour Maurice des années futures. C'est ça qui vous permet de nous attirer ban brain dans le pays pour qu'ils se développent cette ban créativité dans Maurice pour qu'après nous développer un produit très innovant, qui produit bien un service pour l'exportation. C'est quelque chose qui existe. Notre président Caracos-Gola, un peu plus après, concernant l'Irlande, le modèle irlandais, commence à démarrer en Irlande. Et c'est pour moi le game changer parce que ça, c'est quelque chose qui banda, c'est quelque chose qui peut talk to these people. Ça va du monde qui dans ce secteur. High-tech là, je vous connais qui était ça. Et c'est quelque chose qui peut apporter à moyen long terme bon entrepreneur dans le secteur innovant. Donc nous permettons pour attirer les investisseurs liés à l'innovation. Donc et dans ça, des mesures fiscales qui pour moi très importantes concernant l'offre future qui peut améliorer notre productivité globale des facteurs. Et l'un de l'autre, donc ça trois mesures là, et l'un de l'autre encore qui me trouve très très intéressant, c'est concernant l'ouverture pour la compétence. Si nous avons gagné tout ça dans le secteur d'activité, là, nous travaillons à Maurice, c'est qu'il nous coûte bizarre, il n'a pas de compétences pour travailler dans ce secteur d'activité. Et c'est ça, pas une compétence là qui vous permettre de former les Mauriciens pour travailler dans ce secteur d'activité. Nous payons suffisamment, nous affrontons l'eau là, nous payons suffisamment de main-d'œuvre qualifiée par rapport à certains secteurs d'activité. Donc nous pouvons ça, laisse un travailleur compétent, et non c'est une compétence là, un travailleur étranger, rentre dans ce secteur d'activité là, et c'est ça ban là qui peut créer les emplois futurs dans Maurice, pour les Mauriciens. Donc, ils mettent une mesure pour accompagner tout le reste, avec sa ouverture concernant les travailleurs qualifiés. Donc ça, c'est une première série de mesures pour améliorer nos offres, améliorer nos compétitivités, et aussi pour diversifier nos offres. C'est différents types de produits qui nous prenons, qui nous fabriquons localement. Et cette diversification-là nous pèle vers les coûts intéressants pour le marché, donc qui nous peut aller. Ça, c'est un. Deuxième, c'est concernant l'exportation. L'exportation à Maurice, soyons francs, le secteur financier, le développement du secteur financier au cours des 10-15 dernières années
il basait beaucoup, oui, le traité qui nous est né avec certains pays, mais aussi de ce niveau de taxation. Comme peut-être un secteur financier, mais surtout du global sector. Okay. Ce secteur bénéficiait d'un système de taxation très faible. Okay. Donc, le secteur de l'exportation à travers le monde bénéficiait d'une mesure fiscale très souple. Nous, à Maurice, nous, taux de taxation pour le secteur de l'exportation, l'étiquette 15%. Le fait qu'il nous puisse shifter vers 3%, un taux de taxation de 3% pour l'export de biens, il y a une mesure qui pour incite entrepreneurs qui dans la production locale pour le marché local à vers l'exportation. Parce que l'export, c'est, il ne faut pas oublier, l'export est un élément de risque dedans. C'est un risque parce qu'on dépose produit ou pas encore payé, etc., etc. Donc cet élément-là est aussi important dans nos compétitivités. Parce que le gain financier qui est là derrière, pour permettre l'entrepreneur prendre un risque pour améliorer ce produit sur une marge, différents types de marchés. Donc, pour rendre plus indépendant, pour plus courageux, pour donner ça un petit facteur supplémentaire pour aller vers l'exportation. Donc, mon cause quelques mesures qui tiennent dans le budget, qui au niveau de la MCCI, nous trouvons très important par rapport à une analyse économique qui nous fait avant, qui est très important pour une relance économique à court et moyen terme, et surtout pour améliorer nous, l'offre et le potentiel de production. Donc, en gros, certaines mesures, mais il est vrai qu'il y a une série de mesures, on va pas venir avec toutes les autres mesures, parce qu'il y a une série de mesures concernant les PME, concernant le financing, une petite mesure qui passait tranquille, mais qui est énorme pour la construction, par exemple, c'est le fait qu'il nous enlève sa barrière qui était là concernant le loan to value ratio qui était fixé à 90%. Mais simplement, des affaires, à chaque fois, nous soulevons ça au niveau de l'argent, il est plus facile à Maurice à stèle le 2 qu'à stèle la case. Donc, jusqu'à présent, il y a une barrière pour un first-time buyers pour aller à stèle la case. Le fait qu'ils mettent ça à 90% me pose une simple question. La case coûte en moyenne il y a 2, 5, etc. Si vous n'avez pas la scène de la case, un first-time buyer ou un jeune couple ou bien la scène de la case, disons de 4 millions, où tu vous imposes 400 000 roupies à la table. En avance, en amont, pour bénéficier du prêt. Donc, imaginons comme il est difficile pour certains pour la scène de la case. Okay? Donc, ça, c'est une mesure qui est très bonne pour le secteur de la construction, parce qu'il nous accompagne le secteur de la construction avec beaucoup d'autres mesures, comme on dit, le VAT, tout ça. Mais si la clientèle l'aime, il me bloque à l'entrée pour faire empêcher à l'acheter la case, rien ne va pas arriver. Donc voilà, merci. Et je passe la parole aussi à notre président qui peut-être lui raconte un peu l'histoire historique concernant le Innovation Box. Innovation Box,
premièrement qui fait dans l'Irlande en 1973. Vous appelez ça le patent box. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est la deuxième compagnie établie sous patente, sous IP. Le IP, ça peut être un patent, il y a un copyright, il y a un brand name. Mais si vous établissez votre IP dans l'Irlande, vous registrez dans l'Irlande, là, tout income qui dérivait de sa IP-là, c'est tax-free à l'époque. Maintenant, il a envie de mettre ça à 10%. Donc, comme en France, c'était tax-free. Et qui est arrivé? L'Irlande, qui font partie de l'Europe, et c'était un petit pays, un petit île, relativement parlant, qui tient un peu dans, tu appelles ça à l'époque, le backwater of Europe. Et qui est arrivé, c'est surtout toute une grande compagnie américaine, qui vient en Irlande pour mettre en place le plaisir. Tina Coca-Cola, Pepsi-Cola, une grande marque de pharmaceutique qui bien sûr, c'est même Coca et Pepsi, IP c'est quoi? C'est sa constance, sa recette qui tient là. Microsoft, Apple, à l'époque tu as Gateway, tu as Pfizer, Intel, tout commence à mettre les îles dans l'Irlande. Qui fait? Parce que une série d'Irlande N pour mettre les îles pour gagner IP tax free et ils attaquent le marché européen. Depuis l'Europe, parce que l'Irlande, c'est l'Europe, c'est dans l'Europe. Donc, il y a un marché de 300 millions de monde. Alors, ça met l'Irlande, leur part d'investissement de développement. Et là, l'Irlande, ils mettent en place les autres universités, collèges, l'université de Cork, de Galway, etc., etc. Ils fournissent des ingénieurs et des cadres pour rentrer dans les îles. C'est ça surtout. L'Irlande est là. L'Irlande, essentiellement, tu vas un pays d'immigrants. Émigrants, plus ou moins. Tu vas l'Irlande, tu vas quitter, tu vas à l'Amérique, tu vas à l'Australie, tu vas pour retour au travail. Parce que c'est un pays catholique, oui, avec beaucoup d'enfants. Et bien, les enfants partent à travailler. C'est un pays jeune, qualifié, relativement parlant, et partent à travailler. C'est tout ce que tu quittes. Avec ça, cette mesure-là, l'immigration irlandaise, une relance énormément. Et c'est tout le rendre nationaliste. Ça, c'était ça vraiment qui me créait la première phase du Celtic Tiger, on appelle ça. Vous pensez, c'est une leçon à apprendre pour nous, parce que nous aussi, nous avons un marché énorme qui a appelé nous. L'Afrique, par exemple, c'est quoi ça, dès que Fomeza, il y a 600 millions d'immigrants qui nous gravent exporter du fric au Tafric, en principe, c'est pas notre catégorie. En principe, c'est le marché ouvert. C'est-à-dire, si la main du monde et sa main pays là, souvent, il y a un produit, un boy de douanier, etc., qui est bien faux. Alors, pour une multinationale ou certains pays, il est bien intéressant pour permettre ça potentiellement visible dans le monde. Maintenant, aussi, qui tient là dans l'Irlande, qui est une institution bien faux. Qui est de IDA, de Investment Development Agency of Ireland, et Enterprise Ireland. Surtout IDA qui fait un travail de force parce que, au final, sélectivement, ils font un travail de promotion pour qu'ils développent et amènent sa main de monde là dans le monde. Récemment, il y a une présentation parce que, une fois sa main de monde est montée, il y a aussi une tombée, elle n'est pas parce qu'il y a une réception. Comment ils relèvent, ils rentrent en service. Qu'ils ont fait, ils ont redéveloppé. Du blamade pauvre, du bâtiment pauvre, le bâtiment Docklands, etc., qui tient en warehouse, etc., qui tient abandonné, c'est de remettre ça en place et je l'invite à du monde de service pour une amour en Irlande. Et ça, ici, c'est IDA qui me vient. Mais alors maintenant, il y a Google, Facebook, eBay, tout le grand Amazon, mais sur tout le grand e-businesses. Dans un back-office dans l'Irlande, parce que le IDA, India, est venu établir dans l'Irlande parce que l'environnement l'a proposé. Et ça, un des mots du même dire, pas d'IDA, c'est un gros idée, pourquoi tu peux dire ça, qui fait mon vin là-bas parce que l'Irlande est là, tu viens que moi, toutes les semaines, tu tapes pour la porte, et finalement, quand on cause à lui,
on réalisait que les comprend vos stratégies, ça s'appelle CEO, tout ça, mieux que mon équipe autour de moi. Il demande un argument, il finit de faire son étude, il analyse mon stratégie, qu'on peut y aller, qui va travailler, qu'on peut y aller, il dit bon, vos stratégies, ça, voilà qui fait STR, vous avez une dernière, parce que si vous mettez ça en place, vos stratégies, vous n'en pouvez plus. Qui montre que c'est bien, et l'IDB de Singapour, il fait pareil. Il montre que le travail qu'il vient faire est un travail beaucoup plus difficile parce qu'on a une complexité des hauts bien faux. Nous aussi, et voilà pourquoi nous trouvons les faux du gouvernement pour faire un IDB mauricien, bien positif, parce que pour renforcer le focus par une ressource qui nous est là, parce que ce travail de investment promotion là, il critique. Le travail là, il est plus long, hein, de IPZ là. Il commençait en 71. Zone franche, il commence à décoller dans les années 80. Bon, tu commences à avoir des usines déjà. Mais tu vois, quand même, certains ministres, tu viens aller, tu vas à Taïwan, tu vas à Hong Kong, en même temps, tu vas ici, le ministre, tu viens aller. Mais le rôle des médias aussi, tu viens voir à l'époque, pour gagner sa bande de un bâtiment. Mais ici, pareil, IDI est pareil. IDI est négocié. Un bâtiment, il fait une liste, il fait des demandes financières, il négocie pour gagner un bâtiment. Singapour, c'est un IDP pareil. Donc, ce qu'il faut lui dire là-dedans, c'est qu'il est bien compétitif de haut. Pas si c'est nous qui lui avons dit qu'il veut mettre 15 à Maurice, mais des îles à Maurice. Tout ça va nous dire là, maintenant, Estonie, Croatie, tout ça va nous dire ce bloc de là, ici, c'est-à-dire nous dans l'Europe, nous coster, nous avons une jeunesse qui est bien bien qualifiée, qui ne va pas venir là-bas. Nous tout mis là-bas. Le Rwanda, témoigne du fait d'être façon tournée, c'est que maintenant, on tournait. Le Rwanda, il gagne le premier campus international de Carnegie Mellon. Carnegie Mellon, ou un campus de Kigali. Carnegie Mellon, c'est l'université mondiale moraine dans computer science au monde. Il met un campus où il développe le réseau avec le talent. Alors, le point c'est, il peut être difficile. Alors, nous avons renforcement de ressources, et il faut espérer maintenant, bien sûr, tout le secret c'est dans l'exécution, il faut espérer que le gouvernement mette un niveau correct, qualifié, d'obtenir une réputation internationale, pour pousser ça à l'individu, comme on disait, parce que c'est la structure nécessaire. C'est ça qu'il nous dit, il faut plus penser que le gouvernement prépare la base pour l'avenir. Mais il faut maintenant mettre en place les cadres nécessaires et l'infrastructure nécessaire. Et l'infrastructure plus prend forme. D'autres questions? Non. Vous pensez qu'il y aura un impact sur l'économie et pas de social sur l'économie, c'est certain. Et sur l'emploi aussi? Nous analysons, c'est que oui, ça va nous mesurer à court terme. Mais c'est surtout quand il faut démarrer. Hein, en année pleine, il y a jusqu'à 1,5% de croissance supplémentaire. En année pleine. Tout ça va nous mesurer concernant la demande. Hein. Et dans ce process sur l'implémentation, par exemple, Negative Income Tax, vous trouvez qu'il rentre en application, c'est commencé en janvier et le premier paiement c'est en août. Donc, l'IPONAR, donc, ce n'est plein pas à partir de 2018, pas déjà en 2017. Il est important qu'il comprenne ça. Et un petit élément aussi assez important, c'est qu'il à Maurice, beaucoup Banco Al dans sa, l'analyse concernant la confiance. Il y a beaucoup, il y a un prix Nobel et beaucoup d'experts économiques qui travaillent l'eau, l'impact de la croissance, encore une fois, dans l'économie. Okay? Et il y a un groupe de chercheurs qui vient avec une analyse empirique que nous avons démontré. Très simplement, l'augmentation de la confiance au niveau de la population de 10%, les rapports 0,8% de croissance. Vous connaissez, alors maintenant, en économie, nous avons une modélisation qui fait qu'il donne un certain degré de calcul. Nous connaissons telle mesure comme il a rapporté. Et je fais une analyse dans une quarantaine de pays et je n'amène ça et je trouve qu'il
la confiance, l'impact de la confiance, l'eau, la croissance économique. Ce budget-là, pour moi, il y en a une mesure, oui, qui peut impacter sur la croissance à mon modèle à court et moyen terme. Le moment qui s'abat une mesure là pour entrer en vigueur est le plus important pour nous, c'est qu'il y ait impacté aussi au niveau de confiance. Parce que c'est sa dynamique de confiance là qui peut entraîner ça, l'économie là vers le haut. Vous pensez aussi que sinon les vigueurs, au contraire, c'est peut-être un aspect principal du développement pour les prochaines deux années, c'est l'investissement massif, bien dire, dans l'infrastructure. C'est vrai que le gouvernement gagne une partie grande et une partie longue des problèmes, mais le plus vite il met ça en place, parce que tout investissement annuel peut dépendre de localité et infrastructure mauricienne. L'Irlande, par exemple, les Américains d'Europe, énormément. On réfère tout sur un cimier, on réfère partout. Et c'est avec ça, qualité d'infrastructure. Là, parce que l'Europe, tu me donnes une valeur de banque grande, pour dire, OK, it was called equilibrium. L'Europe, tu dis, OK, ma petite nation, bien équilibrée pour gagner une Europe stable. Vous n'avez pas vraiment un décalage entre un petit pays ou un pays moins riche et un pays plus riche. Alors, par exemple, l'Allemagne, la France, on peut faire un peu de DLC, mais ils négocient. Ils donnent casse dans l'European Fund, et puis ça casse un reportage. Il y a la Grèce, le Portugal, l'Irlande, surtout beaucoup, et bien petit pays, plusieurs, pour que ça, maintenant, investir en infrastructure pour arriver au même niveau que nous, pour qu'ils nous gagnent l'Europe équilibrée, balancée, pour pas vraiment que ce soit un décalage qui cause une fissure. Alors, l'infrastructure critique. Si j'espère maintenant que le gouvernement exécute une gamme de ressources, il vient mettre ça en place avec sa investment. Nous trouver, d'après la liste qu'il mettait, c'est un investment productif. Parce que venez, car ceci, vous devez mettre un casse pour les produire. Pas quand vous demandez, vous n'avez pas envie de manger. Tout ce projet-là, c'est dans l'infrastructure, pour rehausser le niveau de l'infrastructure, en même temps, prépare l'infrastructure mauricienne pour la croissance de l'agriculture. Ça aussi pour amener une certaine accélération du GDP, parce que c'est clair, si le pays baisse, ça quand même du monde qui vont penser depuis calculer pour les impôts, construire ça va pour trouver que ça relaxe dans le pays du travail qui inclut la construction aussi, pour amener et pour donner la possibilité société de construction mauricienne gagne l'effectif nécessaire, c'est pas grave, pour en charge ça va nous procéder. Démarrage des chantiers, très très important. Okay. Il y a un élément, là, encore d'innovation, mais l'éducation, pour faire des chercheurs dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Je ne pense pas avoir vu qu'on est en train de, comme vous avez dit, il y a une université qui a été mise en Irlande. Moi, je ne vois pas ce genre d'investissement. Il y a une partie, il met un peu de casse dans la polytechnique, il met de casse dans l'université de technologie, qui est et de l'université de Mascarin. Alors, il y a une certaine emphase, mais aussi, vous pensez, nous devons faire des affaires balancées. Déjà, il y a une certaine, dans le public, l'université Maurice, il génère pas mal d'ingénieurs. Et là aussi, beaucoup dans le privé aussi, qui peuvent faire beaucoup d'ingénieurs. Charles Tenfer, par exemple, et d'autres. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui peuvent former. Alors, ils peuvent être le balancer. Mais aussi, nous n'avons pas besoin d'église, le primaire et secondaire. Nous, on fait un travail pour eux. Nous devons travailler balancé. Vous pensez de l'arène schooling et le travail qu'ils doivent faire, ils peuvent faire the right thing. Parce que, quand vous pensez que peut-être la plus grande tragédie mauricienne qui personne pas cause assez, c'est qu'il y a 22 000 enfants rentrent dans le primaire tous les années. Que 10 000, 12 000 sont outils. Pourquoi ça va nous 10 000 d'années? Et après, quand arrive le HSC, combien là, 7 000, 8 000? C'est ça la tragédie mauricienne. Ça quand c'est 10 000 qui viennent ça, qui tombent. C'est ça qui nous fait ramasser. Et ça, il commence dans le primaire. Alors, le Narnia Schooling, c'est une base, je pense, très faux, parce qu'il inclut pas seulement le schooling par ministre en avant, mais aussi il y a
parce que c'est holistique, pour qu'on ramasse le maximum et minimise les chutes. Ça, c'est un premier. Et aussi, nous devons réaliser que même dans, si nous prenons l'exemple du textile et dans le tourisme, nous pouvons appeler les temps. Tu mets ça au commencement, mais nous apprenons beaucoup plus avec des gens qui viennent investir. Premièrement, mais là, doucement, nous demandons à l'Institut de textile, tourisme pour rester, pareil, si vous vous rappelez bien, qui tient là, tient là. Le premier grand groupe, c'était le CERN International qui est muni. C'est CERN qui a sa propre école de formation. Et là, on n'a pas encore pour faire, nous faisons tout ça. Maintenant, nous avons l'école locale, puis vient une source d'approvisionnement pour vendre du monde dans la région. C'est incroyable. Nous l'école IBTV, l'école de aussi bien l'école, par exemple, en Vatel, par exemple. Puis il y a des gens qui viennent de l'eau, des espérances, ils viennent pas de touristes dans Maurice. Pour ceux qui nous connaissent, nous sommes pas touristiques, mauriciens, mais world class. Alors, ce n'est pas Beach Combust, ce n'est pas Constance, ce n'est pas Luxe. Ben, il y a une propre école de formation ici aussi, Intel. Mais c'est ça qui crée la richesse touristique de Maurice. Voilà pourquoi nous venons de nous ouvrir. Pour ceux qui nous attirent, nous sommes même man, Coréens, man, Africains, qui viennent ici, qui apprennent dans l'école. Et nous avons une nouvelle jeunesse qui a un bateau, qui a un Dubaï. Oh, c'est bien la fois qu'on a un Dubaï, on a un hôtel pour une zone, mais tu vois le Mauricien qui est le PPG à l'hôtel. Donc, qu'à Hong Kong, on trouve, dans l'Inde, on trouve. Mais ça, dynamique-là, il faut appeler les temps. Mais quand l'une commence, souvent, si nous avons fait une analyse dans les textiles et dans ces formations qui nous SQL, Xinotex, nous avons un supervisor et nous avons un bout, nous avons quatre techniques. Soin technician, knitting technician, ça coûte de l'école. Supprimant des demandes des enseignements. Pareil pour l'hôtellerie, beaucoup, c'était catalysé par un groupe commercial. Qui est venu demander dans les 70, doucement. Après, il y a une masse critique, après, il va se laver par lui-même. Alors, dans cette direction-là, on trouve du positif. Et plus important, même dans l'Iran, on trouve ça. Comment on vient tout ça? Qui est dans la grotte de Samadina, vous allez mettre les îles ici. Elle fois qu'il y a un gros lésine, beaucoup de petites affaires arrivent. Même dans le texte, nous disons, il y a un gros lésine. Il y a une étiquette, il y a un cordon, il y a un sac plastique. Il y a ici, là-bas, et tout ce qui est dans l'usine commence à former pour fournir ça dans l'usine. Et c'est ça qui crée la masse économique pour l'usine. Ok. Ben merci. Si vous voulez du café, de l'eau, croissant. Me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?